Là. Alors. Oh, j'ai un zéro sur machin. Je vais attendre d'être dans la zone de ah, jeu. D'accord, c'est parce que je peux pas tirer. Donc ce camp c'est fait, et ça c'est beau. Il y a un feu que je pourrais récupérer ici, mais de toute façon je pourrais très bien me TP là pour aller à ce feu là aussi. Donc ne nous focalisons pas là-dessus pour le moment. On a un creuset ici. Ah mais c'est pas vrai, j'ai mon écran qui vient de se rééteindre. C'est vraiment terrible. En plus il y a le bâtiment qui fait des bruits chelous là, hein. À chaque fois ça s'éteint. J'ai des questions quand même. Je pense qu'on va aller s'amuser sur le creuset ici. Ok. Ah, mon écran qui se rallume et s'éteint tout seul. Bon, si ça continue comme ça, alors que ça l'avait pas fait ce matin, mais ça continue comme ça, je vais le débrancher, rebrancher et puis on verra bien. Tentons un creuset, on sait que ça prend pas mal de temps. Qui a une à... Je viens de boire, mais tellement goulûment, c'est assez terrible. Qui a une à deux grosses arènes, généralement, dans ces creusets. Alors, on va vouloir prendre d'abord ce feu, on va faire un petit tour des feux au passage. Histoire d'en choper quelques-uns. Je suis sur les petites flèches hein, pour la chasse aux animaux standards. Ce sera très bien. Ah oui, c'est vrai que c'était un feu en hauteur celui-là, j'avais déjà mis un drapeau dessus et j'avais ensuite totalement abandonné l'idée d'aller le chercher. Je garde ça pour plus tard. Je peux peut-être monter par là. De choper ce petit feu une bonne fois pour toutes. Voilà. Ça s'est chopé. Ensuite, le prochain que je veux, c'est lui. Après, on descendra choper l'autre par là-bas. La question, c'est comment on descend maintenant? Oh. Oula. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, par exemple. Passer par là. Et pourtant. Non, je suis pas sûr qu'il y ait un escalier quelque part. Je me suis piégé tout seul. Faut prendre la guimauve. Voilà. On peut tenter. Maintenant, peut-être, je sais pas si je peux le faire en combat, le fait de me... Oui, on peut se déplacer comme ça. On va perdre un petit peu de temps. Parce qu'on a le temps de chargement, plus une partie du déplacement à refaire. Mais je me dis, bon, c'est la mort si j'essaie de passer comme ça. Je pourrais retenter de passer par le même trajet que j'ai utilisé pour venir. Sauf qu'il faut que je le trouve. Et derrière, que je me suspende, et ainsi de suite, donc... Autant faire simple, juste tourner autour de ce grand amas montagneux là, et aller de l'autre côté. Prendre la viande pour pouvoir se préparer des potions par la suite, bien sûr. Attention parce que je vois un ravageur, je crois que c'est ça, de l'autre côté. Il n'a visiblement rien calculé. Ça, c'est tant mieux pour nous. Ah, je peux pas monter comme ça. Mais ici, ça devrait passer. Y a pas des poissons par là ? Un grand et tonitruant nom qui vous est adressé. Il y a ce feu de camp, c'est bon. Il y en a un autre ici. On commence à faire un sacré détour. Après, il est pas très loin.
Voilà, tranquillement. Ok, celui-là c'est fait aussi. Et maintenant on va pouvoir aller se diriger... Ah, un petit peu vers le sud. Par ici. Et voilà. Mais voilà qui. Et voilà, ils arrivent. En plus ici, et allons vers celui-là maintenant. Voilà, c'est un petit détour feu de camp. Et ensuite on va pouvoir enchaîner directement avec l'entrée dans le creuset. Oh la vache. Crasheur boursouflé de type feu. Même qu'il y a le type feu et le type glace. Hein. En train de se battre contre des gentils ou des brigands. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne voit rien. On ne sait pas. Dans le doute, on va dire des méchants. Oula, j'ai carrément été ciblé. Ce feu là, c'est bon aussi. Merveilleux. Et bah maintenant, allons par là. Hein. Creuset Xy. Le fameux, on va se faire une petite sauvegarde rapide avant d'aller plus loin, au cas où. Au cas où même, si on souhaite faire la liaison. On va s'équiper ça, je vais pouvoir enlever le petit drapeau du coup. On a pris la mission. Il y a des brigands. Des truands fanatiques. Ah, l'éclipse. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ok, il y a une énorme pluie de morts. Faut des flèches de feu pour pouvoir péter ça. On a la clé d'excavation. Excellent, ça nous permettra très probablement de... Oui, ils en ont tous une. Ok. Ça nous permettra de partir dans la... J'entends des bruits de pas sur le côté. Je me dis qu'il y a peut-être un guerrier pas loin. Non, ça va. Ça devait être mes propres pas. ouais, je me dis, la clé d'excavation, ça doit être ce qui nous permet d'entrer dans le creuset. C'est fou qu'ils en aient tous une. Beaucoup de doubles. Je suis trop chargé. Ok. Excellent. Notre clé d'excavation, encore et toujours. Ça m'en fait 5 hein, déjà. Ça m'en fait beaucoup. Bon, ce petit fight, c'est rudement bien placé, c'est cool. Fichtrement sympathique. Les couleurs changent, le soleil se couche. On va enlever ça. Ah. On va goûter tout ça tranquille. Au niveau des potions, on est bien. Une petite boîte encore. Super. Est-ce que c'est par là? Non, c'est peut-être la sortie ici. Trouver de l'entrée du site. Enfin, perso, je me dirais bien que le site de fouille est plutôt, plutôt en bas là. Mais peut-être pas.
Il y a quelque chose que je peux voir avec mon... C'est la flambée. Qu'est-ce que c'est que ça? Canon de porte-mort. Ah, pardon. Excusez-moi du peu. Ah, il y a un truc là-bas. Eh! Ih! Un truc par ici. Signal non identifié. Bon, tant pour moi, c'était peut-être par là-bas. Non, il est plus bas là. Il va y avoir d'autres truands dans le... Dans le creuset. Ça va être fun. Par contre, non, je vois pas de... Je vois pas pour passer ici. Ah. Pardon. J'étais persuadé que c'était un mur. Juste une construction. Tu peux pas du tout dire que c'était une porte. Les arrêtés, mon cas, je vois pas de présence humaine ni mécanique d'ailleurs. C'était un creuset avant, mais la nature s'est infiltrée et l'ennemi aussi. Ah, c'est fun d'avoir un creuset déjà infiltré, ça change. J'ai vu un autre mec. Si. D'accord. Chute. Oh là là, bravo, bravo. Le beau jeu, c'est pelé. Enquêtez sur la présence de la secte dans le creuset. Il y a dû y avoir un éboulement. Ah, il y a du monde là. Alors. Bien. Ok. Nice.
personne se pose des questions, hein, ils sont en droit de se poser des questions, c'est tout à fait normal. À cet âge-là. Je peux les voir, mais pas eux. Ça vient. Tu m'échappes. Tout se passe pour le mieux. Oui, on passe derrière. Oh, merveilleux. Oh là là, oh là là. Je suis un véritable prédateur. Tellement propre, mais oh. Merveilleux. Ok. Et maintenant, il y a de la nature là-dedans. De tout le reste. Ça va faire beaucoup de choses à looter. Oh, tellement propre. Je m'auto-suce. Magnifique. C'est qu'en haut. Il y a une boîte. Ah, des petits éclats. Il y avait un mec qui avait filé du bleu, mais je sais plus où il est. Quel dommage. Ah, il est là. Elle a aussi du bleu. Bonnement merveilleux. Ok. D'autres gens? Pas l'impression. Point l'impression, mes amis, point l'impression. Bon, ça ressemble encore à une arène, ça. Mais... bah si, il y a des gens, là. Prêtre fanatique. Ils ont fait toute une ville, ici. C'est ouf. J'ai la structure des creusets de base est assez complexe, mais en plus là, toutes les constructions avec. J'ai plus de place. C'est complètement en dingue. Il y a quelque chose là-haut. Ah, bonjour. C'est pas ce que vous croyez. Ok. Avançons. Bien, ils ont dit enquêter sur la présence de la secte. Alors, on arrivait, on a tué toutes les personnes qu'on a vues. Hein. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une enquête. Mais j'ai tout donné. Rejoindre le noyau, on n'a pas vraiment d'indicateur de par où passer. Avançons, on verra bien. On a un bruit qui s'intensifie. J'ai peur d'être passé en dessous des rochers. Ça aurait été terrible. Est-ce que je peux monter avec ça? Non. La réponse est non. Ah, ici. Oh! J'ai raté le noyau. J'ai cru voir... ouais. Une unité lourde. Il veut pas scanner. Est-ce qu'il y a une piste en même temps? Oh.